Carrefour Sodemi, cet après-midi, un véhicule renversé et un autre stationné en pleine chaussée après s'être percuté. Selon les témoignages recueillis sur place, le véhicule immatriculé 3502CB01 venant du plateau en direction du CHU de Cocody n'aurait pas respecté l'arrêt au feu tricolore. Je partais à une manifestation à l'Hôtel d'Ivoire, investir en Côte d'Ivoire. Et moi j'avais le vert. Pendant près d'une minute, j'allais lentement. J'ai franchi et il est passé devant moi, il a failli me cogner. Et comme il ne m'a pas eu, il a pris ceux qui venaient en sens inverse. Lui, c'est de l'autre côté là-bas. Il avait déjà fait un accident devant là-bas. Et puis, il est venu prendre le monsieur par derrière. Il a grillé le feu. Le chauffeur du véhicule renversé encore sous le choc à notre passage donne sa version des faits. Comme il est déjà 14h, donc nous, je partais pour aller déposer les enfants à l'école. Maintenant, arrivé à ce niveau-là, il y avait la priorité. Et quand je suis dirigé, que j'ai dépassé juste le feu, et voilà un véhicule qui venait du sens du plateau pour venir me heurter. Donc le temps que je... Là, c'est parce que je l'ai évité. Je suis parti, je me suis déporté de la droite vers la droite pour éviter le choc. Or que tellement qu'il était aussi en plein, et en ce moment-là, il est venu me cogner, et puis voilà qu'il y a un enfant qui était... L'enfant est blessé. Le conducteur de l'autre véhicule a quant à lui préféré prendre la fuite. Mais plus de peur que de mal, selon les secours, alertés, les sapeurs-pompiers militaires de l'Indigné sont arrivés quelques minutes après l'accident. Leur bilan, un blessé léger.